Bonjour Saint-Juhari. Bonjour. Je crois que certains milieux d'église protestante vous connaissent, mais peut-être pas comme jazzman. C'est la soul, le jazz, votre registre ? Exact. On va dire la branche jazzy, la branche soul, déclinée en anglais ou en français, plus quelques pointes de latino pour un peu égayer, mettre un peu de bain de soleil. Là, vous allez nous interpréter une chanson brésilienne, c'est le titre de la chanson. Vous l'avez composée avec l'un de vos amis, pouvez-vous nous dire d'où elle vient ? J'ai rencontré Michel Desmorets, lors d'une croisière fluviale où j'exerçais en tant que pianiste-chanteur. Et nous sommes liés très facilement d'amitié et nous avons échangé sur Paris, sur plusieurs morceaux, et notamment une chanson brésilienne dont j'ai adapté les paroles et j'ai composé la musique. De quoi parle cette composition toute nouvelle ? Alors en fait, cette chanson parle du désir de voir sur Paris les beaux rivages brésiliens, de voir les places qui font rêver quand nous regardons la télévision, ou quand nous voyons des films. Et si vous voulez, c'est une sorte de fantasme au travers d'un voyage. Merci Saint-Juhari de nous faire voyager maintenant avec une chanson brésilienne du compositeur Michel Desmorets. Saint-Juhari, vous nous faites voyager de Paris au Brésil, mais vous reprenez aussi des standards et vous en avez un à nous proposer, c'est celui de Nina Simone, une chanson qui a fait du bien à des générations entières. Pouvez-vous nous la présenter ? Bien sûr, cette chanson est je dirais, une revendication, un cri du fond du cœur pour pouvoir exister par soi-même, se réaliser soi-même, sans obstacle intérieur et sans obstacle extérieur. Cette chanson a fait couler beaucoup d'encre et la fougue avec laquelle Nina Simone l'a interprétée montre la profondeur de cet appel, de ce cri du cœur. Oh.
Merci Saint-Jerry pour ces deux morceaux que vous nous avez offerts. Et on se retrouve à Regard Protestant ou en concert prochainement. Merci beaucoup. Merci.